Chers amis, amis internautes, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Espace Dialogue. Avec moi, Josué Boloa, l'international, lors la réflexion et la connaissance, ces rencontres. Je suis très ravi de savoir que vous êtes très nombreux. Yakopé Sabiso Batansion Abino. Merci à de choisir ce site www.congodialogue.com. Grand merci à celui qui est derrière la caméra ainsi qu'à la réalisation, Jean-Marie Poupa, hein, le vétéran et puis chasseur de l'image ici en Afrique du Sud. Cette émission est diffusée ici au niveau de Johannesburg en Afrique du Sud. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous, hein, n'est-ce pas, parlant de l'actualité, les discours de Monsieur Joseph Kabila, n'est-ce pas, les discours de Monsieur Joseph Kabila au niveau de la RDC, au niveau de Kinshasa. Quelle est votre réaction? Je crois qu'il y a tant d'autres personnes qui en ont déjà parlé. Son discours, est-ce que c'est un message ou comment? Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur le Président Kilele, qui aura aussi à donner son impression. Nous aurons aussi parlé un peu de notre... Moi, Namboka Moko, M. Boketua Yambo, n'est-ce pas, Zogiba menace parce qu'il a parlé sur MLC, Boko Kapé Réaction Naye, M. Kilele Kopé Sepsopé Réaction Naye. Nous allons aussi parler aussi de comptes à rendre, hein, n'est-ce pas, ceux qui sont élus par la population congolaise. Ils n'ont jamais, ils doivent rendre compte à la population congolaise. Maintenant, quelle est la suite? Ils ne rendent pas compte. Nous allons aussi développer avec M. Kilele. Il a reçu un appel venant des États-Unis, qu'il est sélectionné parmi les gens qui devraient être président de la diaspora. Vous allez aussi suivre sa réaction et tant d'autres réactions. Nous allons aussi répondre à un de nos téléspectateurs par rapport à la réaction de M. Kilele. Il a essayé un peu de taquiner M. Félix Tshisekedi, mais la question serait posée, est-ce que M. Kilele a raison? Quand il parle de Félix Tshisekedi, il parle de Jean-Pierre Bemba ainsi que d'autres opposants. Est-ce que nous avons réellement des opposants au niveau de la RDC? On est un peu bamini au Tokoloba, interview na M. Kilele. Sans plus tarder, après cet élément, je vais recevoir mon invité, le président Kilele. Vraiment, restez branchés, si vous aussi participez à cette émission, vous êtes la bienvenue. Bah, numéro que vous allez bientôt afficher dans votre petit écran. Réaction à Bino comme d'habitude, n'est-ce pas? Et vous avez toujours la bienvenue. Rappelez-vous, les propos émis toujours dans cette émission engage que mon invité, n'est-ce pas? Alors moi, c'est Joseph Boloa, restez connectés, branchés. Merci. Et il n'y a pas eu de réaction de soi-disant, comme tu le dis, des opposants. Bon, plusieurs fois nous l'avons dit qu'il n'y a pas d'opposants au... Il n'y a pas d'opposants au Congo. Bon, s'il y en a, là-bas sur le terrain, il peut y en avoir un ou deux. Et pas ceux-là qu'on présente comme étant des opposants, les gens des MLC, les fidèles Babala, les Denis Essanga, et les autres que nous connaissons, et celui que le l'IDPS veut présenter aujourd'hui comme étant le futur président, les fils du fait Étienne Tshisekedi. Ces gens-là ne sont pas des opposants. Juste pour biaiser dans ce type-là, parce que j'ai toujours eu des critiques et des attaques, et moi j'attaque leur poulet, monsieur le poulet, monsieur Félix Tshisekedi. Mais on l'a vu ici faire une tournée en Afrique du Sud et partout à travers le monde, en train de demander des cotisations pour peut-être aller acheter un nouveau bureau ou une nouvelle maison pour abriter le siège de son parti. Nous savons que le siège actuel qu'occupe l'IDPS ne lui appartient pas, c'est une maison de quelqu'un qui avait donné ça, cédé à l'IDPS, peut-être par sympathie, amour, respect, au vieux routier de la politique qui était mort. Et pour laquelle on n'a jamais payé des loyers. Ou peut-être on paye, mais pas mensuellement, régulièrement. Alors, il fait le tour du monde comme son père l'a fait à l'époque, quand il était venu ici ramasser les dividendes et les cotisations au travers des pauvres Congolais qui sont dans l'exil. Il est venu partout, même entrer dans les églises. On l'a vu être présenté par le pasteur Lokao, qui le présentait comme étant
un futur président. Mais nous savons que c'était pour quémander de l'argent. On lui avait remis 2 000 dollars, qui ne peut pas même pas acheter une maison. Et il a été voir d'autres personnes, dont nous ne voulons pas citer les noms ici, pour quémander de l'argent. Alors, un type comme ça, comment on peut dire que c'est un opposant? Hein? Il a été... Lui et sa maman ont voulu escroquer Kanambe à cause du rapatriement du corps de son père qui traîne aujourd'hui comme un poisson de mer dans les frigos. En Europe, c'est que chez nous, on a l'habitude d'appeler Mpiodi. On a toujours clamé qu'on veut lui construire un mausolée. Eh bien, l'ex-président Hippolyte Kajambere Kanambe, sa présidence a demandé la facture. Combien l'architecte, le constructeur charge pour construire ce monument? Ben, la cotation de l'architecte, c'était 500 000 dollars. Mais quand on a présenté le papier auprès de la mère de Félix Tshisekedi, ils ont ajouté encore une autre somme au-dessus. Et quand cela, ce même papier est passé au bureau de l'IDPS, l'IDPS a aussi ajouté pour faire 3 millions de dollars. Et l'intermédiaire qui a mené la cotation de la famille Tshisekedi jusqu'à l'IDPS, jusqu'à la présidence, il a aussi ajouté quelque chose. Alors, Kanambe ayant vu ça, et ayant vu le papier d'origine, la cotation d'origine de l'architecte, c'était étonné, mais qui dit mieux, qui dit la vérité? Voici la famille qui demande ceci. Voilà l'architecte qui demande cela. Voilà le parti qui demande cela. Et vous voulez nous parler des opposants affamés, des opposants mendiants et escrocs? Ce sont des escrocs professionnels qui veulent se faire passer pour des leaders à venir, d'avenir du Congo. Ces gens ne sont pas des opposants. Ce sont des commandeurs qui, chaque fois qu'ils ont fait, ils demandent à l'occupant, nous avons fait, on n'a pas de Mpiodi chez nous, on n'a pas de Pondou chez nous, donnez-nous quelque chose. Et Kanambe, ben, ils demandent à ses caissiers, écoutez, donnez quelque chose à ce malheureux-là qui ont fait dans leur pays. Donc, ils ne pouvaient pas faire une analyse des discours, ils ne pouvaient qu'applaudir comme on les a vus dans la salle en train d'applaudir et après aller dans un bal de voyous et des idiots pour danser. Monsieur le Président, nous allons y revenir avant d'aller en détail avec le dossier de M. Tshisekedi, Kémander, tout ça, l'histoire de mausolée. Je crois que c'est vraiment intéressant, nos téléspectateurs qui nous suivent, parce qu'ils sont là pour recevoir des informations. Et avant d'y aller, de partir, vous avez évoqué un peu, brossé quelque chose concernant M. Félix Tshisekedi, sur qui j'aimerais que vous puissiez un peu... En émoi, je crois qu'on en a tant parlé, mais c'est par rapport à la réaction d'un téléspectateur. Il a dit que, mais comment président, chaque fois, à l'écran de l'émission, il s'attaque toujours à Félix Tshisekedi. Il a dit qu'il y a un peu de vente à Kimia, et pourtant, il y a un Congolais, il y a un Mboka, pourquoi pas il y a un peu de vente à Toyoka, à Toluka, à Tobinga, à Banguna, mais tout ça, l'émission, il y a un peu de par rapport à cette réaction qu'un téléspectateur au niveau des Cape Town a posé cette question. Je le salue d'abord, cet inconnu, comme j'ai l'habitude de saluer tous les inconnus qui s'attaquent à nous. En fait, c'est de leur droit de nous attaquer et d'exprimer leur opinion. Mais qu'ils sachent que nous ne sommes pas ici comme des fanatiques d'une clique de traîtres. Nous ne faisons pas de cadeaux. C'est la politique, on ne fait pas de cadeaux. On ne fait pas de cadeaux à quelqu'un. Ce n'est pas parce que nous sommes tous des compatriotes que nous devons faire des cadeaux à des traîtres qui cherchent leur propre profit ou le profit tribal ou le profit familial et que nous, nous devons épargner des gens tels que Félix Tshisekedi et une cohorte de corrompus que nous connaissons.
nous avons la mission de dénoncer le mal, de combattre le mal et de rectifier les erreurs dans la République. Mmh. Nous ne sommes pas là pour faire le Djalelo encore de Mobutu. Nous sommes là, s'il faut tuer les traîtres, nous devons tuer les traîtres. S'il faut le manger, nous devons manger les traîtres. Alors, lui qui voudrait qu'il fasse la campagne de son Félix, peut-être Félix lui a promis un poste ministériel dès qu'il devient président ou il devient premier ministre. Bon, il n'a qu'à attendre ce moment-là. Mais nous allons et nous sommes en train d'appliquer l'adage français à grand mot, grand remède. Si on a une plaie, le médecin applique un médicament fort, il prend son ciseau avec une boule de coton et il vous suture là-bas. Vous pouvez vous mettre à pleurer, ce n'est pas son problème. Le médecin, lui, veut atteindre son but, c'est vous soigner et guérir si vite que possible, dans un ou deux jours ou trois jours, cette plaie là-bas. C'est ce que la mission que M. Kilele et le Parti national congolais et vous, les journalistes, c'est le devoir que nous nous sommes assignés pour guérir les virus qui rongent les Congolais. Le virus, c'est la corruption, c'est la traîtrise, c'est la mendicité. L'IDPS, le MLC, ce sont des partis mendiants. Hein? Combien de gens qui ont quitté le MLC de Jean-Pierre Bemba, en commençant par lui-même d'abord? C'est un corrompu. Jean-Pierre. Mais oui, mais nous connaissons. Nous connaissons. Il n'y a rien de caché sous le soleil. Hein? Même si vous le faites dans la chambre. Hein? Les gens sauront toujours ce qui se passe. Hein? Les gens sauront. Lui-même. Beaucoup de gens sont partis de MLC et qui ont rejoint la soi-disant majorité. Les François Mwamba, les Thomas Loaka, et les Fidel Babala, les, je sais pas, qui sont, mais comment vous appelez ce type-là. Tout ce monde-là, qui parle un beau français, ont été recrutés sur et dans la pépinière MLC. Et ils ont traversé la frontière pour aller s'incruster dans la soi-disant majorité présidentielle. Alors, comment voulez-vous appeler ces gens-là des opposants? Nous devons tout faire pour dénoncer ces gens-là. Les gens comme celui qui venait de mourir, je ne sais pas s'il est déjà mort, Jekoko Mulumba, ce sont des gens du MLC. Il est toujours encore président. Voilà. Et puis on l'a vu en dernière minute se couvrir du drapeau de l'IDPS pour entrer dans l'IDPS. Vous voyez des prostituées politiques, c'est quoi? J'ai appelé la fois passée des milassos politiques. Ce sont des dévergondés politiques qui manquent la substance politique, qui manquent la constance politique et qui cherchent à satisfaire seulement leurs besoins personnels. Alors, nous, chers compatriotes, nous sommes ici pour dénoncer ce mal là-bas, rectifier le mal afin que le Congo puisse survivre. Nous n'allons pas, le Congo ne peut pas survivre dans les mensonges, dans la flatterie, dans les fanatismes, parce que tel est mon ami, tel est de ma tribu. Nous ne sommes pas tribalistes ici, nous sommes des nationalistes, nous sommes des patriotes. Et si un Congolais, dans cette superficie qui a été tracée depuis 1885, après la conférence de Berlin, tout celui qui est dans cette superficie là-bas est Congolais. Je ne vois pas la tribu, je ne vois pas les clans, je ne vois pas la province. Je prends tout le monde comme étant mon frère. Félix Tshisekedi est mon frère de sang et de la famille. Même si je ne parle pas sa langue, il est mon frère de sang et de la famille. Et s'il fait du mal, je dois lui dire la vérité. Parce que je connais ce qu'il fait. Ce n'est pas caché. Et moi, si je fais du mal, il doit me dire la vérité.
c'est pour l'amour de notre maison. Mmh. Notre maison, c'est le Congo. Nous n'avons pas deux maisons. Et que cela te fasse du mal, toi, les compatriotes de Cape Town et de n'importe où, ben, c'est ton problème. Je ne te dois pas amende honorable. Voilà, je crois que vous avez suivi la réaction de M. Kilele par rapport à ses réactions aux émissions précédentes. Vous croyez qu'il s'attaquait à M. Félix Tshisekedi disant qu'il est compatriote. En fait, il y a certaines vérités, certaines choses que nous, toi et moi, téléspectateurs, nous ne connaissons pas. Et je crois que vous n'êtes pas aussi informés, ça aussi est un autre problème, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas informés à savoir plus. Et des fois, nous sommes aussi emballés par le fanatisme du parti que nous sommes alliés avec. Et nous ne comprenons pas certaines choses. Alors, si vous avez encore beaucoup plus d'informations ou de questions à poser, je crois que le numéro de M. Kilele est affiché dans vos petits écrans. Vous pouvez encore plus le WhatsApper ou l'appeler et puis à discuter plus. Vous avez soulevé concernant M. Jean-Pierre Bemba, président Kilele. En passant, je salue Mwanamboka Ndeko Boketchoua Wembo. Il a dit ce qu'il pouvait dire par rapport à Denosaki. Je crois qu'il va attaquer Yepeli Soussou parce que Lobaki, Makambouya, Jean-Pierre Bemba, bah, c'est donc groupe Naemo Bimba. Hein? Il remarque que Baza va corrompu. Et un de ces membres-là s'attaquait à Boketchoua Wembo. Pourquoi Kolobandengwa?